tellement bon, il est tellement drôle, je l'aime tellement, il me fait rire. Pas ça que je voulais! Moi, je voulais que ça soit écrit bureau en gros! Pas bureau, mais qui écrit en gros, en petit, en dessous, c'est bureau en gros! Mais là, trop tard, les magasins ouvrent, ça va être ça! J'ai pas de mots, c'était merveilleux, c'était drôle, c'était rafraîchissant. Donc on s'est croisé, ça me décide, mais il m'a présenté son véhicule à 2 euros. Là. Ouais, ça c'est mon vélo! Il pèse seulement 2 grammes, je peux le lever avec mon petit doigt. C'est un matériel développé par la NASA. La selle est en mousse mémoire. 6 000 $ plus taxe. Fait que j'ai présenté mon bicycle. J'ai dit ça, c'est un super cycle, j'ai acheté ça au Canadien Tire. Ben 60 livres, faut que je prenne mes deux mains et me lever. Hey, j'ai vraiment beaucoup ri, j'ai eu mal au ventre. J'ai adoré ça. J'ai trouvé qu'il y allait à des endroits où des fois les hommes sont moins à l'aise d'aller, puis ça a été fait avec brio. Un, si les gars avaient des règles, les tampons seraient remboursés par la RQ. Deux, une fois par mois, le gars appellera au bureau en disant « Oui, allô, t'as mes règles. Fait que je vais prendre mon congé, on va rien payer comme d'habitude. » Ce que j'ai aimé vraiment, c'est les opinions qu'il donne aussi à l'intérieur de son spectacle. Je pense que c'est important, justement, d'éveiller les gens sur plein de propos sur les femmes, sur la religion, etc. Ça, j'ai adoré. Je ne sais pas si Jésus avait conscience des dégâts qu'allait causer sa phrase « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il est avec les gens, assis dans la salle avec les gens, en plus d'être sur scène. C'est un phénomène de l'humour. Ça va être une belle réussite et une belle tournée. Il y a aussi des gens qui ont une phobie, qui est la peur de sentir mauvais. Il y a des gens qui ont peur, corporellement, de sentir mauvais. Et je suis forcé de constater que plusieurs personnes n'ont pas cette phobie-là! C'était hilarant! Moi, je le recommande. Ah oui, à tout le monde, à tout le monde. De A à Z, il est génial.